prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve nos vies, te chantons. Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, ressuscité entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, ressuscité entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, ressuscité entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles, amen. Fils de Dieu, ressuscité entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez à nous, prosternons-nous devant le Christ. Fils de Dieu, quand le temps du salut fut accompli, Joseph, fils de David, de la tribu de Juda, fut donné comme époux à Marie, fidèle serviteur qui a gardé intact le trésor des maîtres. L'ayant écouté aux paroles de l'ange, il n'a pas craint de prendre chez lui la mère de Dieu. Et quand la Vierge mit au monde le Dieu éternel, il a vu le premier astre brillant du matin. Pour entrer avec lui dans la gloire. Gloire à toi, ô Fils unique de Dieu, Père qui t'es fait chair. Gloire à ton Père et à l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 19. Arbre de vie planté sur le calvaire, alléluia, alléluia. De la croix du Seigneur coulent des fleuves d'eau vive.
Te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob, du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Œil plie, il tombe, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Psaume 20. Le Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Quand il a prévenu de bénédiction le choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre, la semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, siècles, amen. Arbre de vie planté sur le calvaire, alléluia, alléluia. De la croix du Seigneur coule les fleuves d'eau vive. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur.
J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Ne rend pas le rose envoyé, n'éteint pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement. Il attend de ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur, qui a créé et déployé les cieux. Lui qui a fermé la terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations pour ouvrir les yeux aveuglés. Tiré du cachot le prisonnier, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 98. Fils vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples, qui célèbrent ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui, et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, on appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux, et gardait ce témoignage, la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur et le Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Du pape Jean-Paul II.
La vérité d'après laquelle l'homme participe par son travail à l'œuvre de Dieu lui-même, son Créateur, a été particulièrement mise en relief par Jésus-Christ. Beaucoup des premiers auditeurs de Jésus à Nazareth demeuraient frappés de stupéfaction et disaient « D'où lui vient tout cela ? Et quelle est la sagesse qui lui a été donnée ? N'est-ce pas là le fils du charpentier ?» En effet, Jésus proclamait et surtout mettait d'abord en pratique l'évangile qui lui avait été confié, les paroles de la sagesse éternelle. Pour cette raison, il s'agissait vraiment de l'évangile du travail, parce que celui qui le proclamait était lui-même un travailleur, un artisan comme Joseph de Nazareth. Même si nous ne trouvons pas dans les paroles du Christ l'ordre particulier de travailler, mais bien plutôt l'interdiction de se préoccuper de manière excessive du travail et des moyens de vivre, sa vie n'en a pas moins une éloquence sans équivoque. Il appartient au monde du travail. Il apprécie et il respecte le travail de l'homme. On peut même dire qu'il regarde avec amour ce travail, ainsi que ses diverses expressions, voyant en chacune une manière particulière de manifester la ressemblance de l'homme avec Dieu, Créateur et Père. À la lumière de l'enseignement du Christ sur le travail, fondé sur l'exemple de sa vie durant les années de Nazareth, l'Église a toujours proclamé que de même qu'elle procède de l'homme, l'activité humaine lui est ordonnée. Par son action, l'homme ne transforme pas seulement les choses et la société, il se parfait lui-même. Il apprend bien des choses, il développe ses facultés, il sort de lui-même et se dépasse. La règle de l'activité humaine est qu'elle serve au bien authentique de l'humanité conformément au dessein et à la volonté de Dieu et qu'elle permette à l'homme, considéré comme individu ou comme membre de la société, de développer et de réaliser sa vocation dans toute sa plénitude. Ces miracles, n'est-il pas le fils du charpentier? Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire.
Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement. Et il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite la force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seule notre foi, ses prophètes. C'est lui qui nous arrache à l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'à franchir la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil et le vent qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends-nous gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Saint, Dieu fort, alléluia, Saint immortel, alléluia. Dieu Saint, si la seule espérance du ciel nous donne tant de joie, que sera la possession de la vie éternelle, goûtée en plénitude. Alléluia. Dieu Saint, Dieu fort, alléluia, Saint immortel, alléluia. C'est moi qui ai vaincu la mort ennemie. Venez recevoir la rémission de vos fautes. C'est moi votre pardon et votre paix. Je suis votre Pâque de salut. Alléluia. Dieu Saint, Dieu fort, alléluia.
avec Saint Joseph, l'humble artisan de Nazareth et Père de Jésus, Dieu, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.